Bon matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce lundi 31 janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un joli week-end. On continue toujours dans ce bel oracle intuitif, n'est-ce pas? Et on terminera avec le message lumière. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé être soi. Eh bien, c'est se rappeler l'importance, n'est-ce pas, d'être et d'agir en restant fidèle, eh bien, tout simplement à qui l'on est. Parfois, il est difficile d'être totalement soi-même, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit à l'école, que ce soit dans la société de façon générale. Nous sommes souvent et facilement jugés, n'est-ce pas, catalogués aussi, ça soit parents, collègues, amis, amants, pourquoi pas, sous l'influence de notre entourage, eh bien, il arrive même qu'on adopte un nouveau soi et qu'on ne sache plus vraiment qui on est. Part à la redécouverte de toi-même. Et n'aie plus peur de défendre tes convictions et tes valeurs, sans te préoccuper du jugement des autres. C'est tellement important de ne pas se préoccuper du jugement des autres. Accepte tout simplement tes qualités comme tes imperfections, prends conscience de tes forces. Sois fier, fier de qui tu es. Ose t'assumer. Ose cultiver ton style, ta propre personnalité. Et affiche tes passions. Fonce. Fonce si tu te sens, si tu sens que c'est bon pour toi. Et n'oublie jamais, jamais d'être aligné avec tes envies profondes et tes convictions personnelles. Tu as le droit, tout simplement, d'être toi, totalement. Ne l'oublie jamais ça. Petit rituel. Ferme les yeux. Installe-toi convenablement. Prends quelques inspirations et expirations. Visualise-toi exactement comme tu aimerais être. Bien. Visualise les projets qui te motivent. Les convictions que tu voudrais défendre ou bien mettre en avant.
Dis-toi que cet idéal de toi est possible. Que tu as tout ce qu'il faut pour être cette personne. Tu l'es déjà. Tu as juste à te donner encore plus la liberté de l'être. Tu as réellement un potentiel incroyable que tu ignores. Et il est temps. Il est temps que ton entourage le sache ainsi que le monde entier. Reprends confiance en toi. Libère-toi des anciennes croyances. Tu es une belle personne. Et tu as la liberté d'être. Bien, tu peux ouvrir les yeux quand tu en ressens le besoin. Très beau message pour débuter la semaine, n'est-ce pas? Être soi. On termine, n'est-ce pas, avec le message de lumière. C'est le soleil divin. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation du Créateur en moi. Je vous souhaite une belle journée, on se retrouve demain. Et d'ici là, je vous embrasse, portez-vous bien. À demain.